Dans les laboratoires de l'EPFL, les chercheurs développent des outils pédagogiques qui répondent à leurs besoins spécifiques. Avec la création du nouveau Centre des sciences de l'apprentissage, le Centre Learn, les chercheurs vont pouvoir tester ces nouveaux outils dans les classes, récolter les données, utiliser ensuite ces données pour améliorer les outils, former les enseignants et, s'il le faut, changer les plans d'études. Dans cette nouvelle ère d'apprentissage, il faut développer des technologies éducatives pour tous les âges. Et pour transmettre ces connaissances et ce nouveau savoir-faire, les professeurs, eux aussi, doivent suivre une formation afin d'apprivoiser ce mode d'enseignement. Cela passe par des cours en ligne flexibles comme les MOOCs. Mais il faut aussi aider les étudiants dans l'organisation de leur temps et de leur travail. Comprendre comment mieux apprendre, voilà la clé. Le nouveau Centre Learn fera aussi le lien avec les autres acteurs du monde de l'éducation, dans un réseau qui privilégie les synergies entre la pratique de l'enseignement et la recherche en sciences de l'éducation.